Salut les amis, vous avez été nombreux à me demander comment ça allait. Ben, je me suis opéré de la clavicule il y a une semaine et demie à peu près maintenant, ça s'est super bien passé. Il n'y a plus qu'à prendre patience et puis voilà, ça sera pour faire une belle saison l'année prochaine. En attendant, j'ai plein de rush en stock, donc ben là je vous propose une petite sortie dans le Revermont chez les copains. C'était vraiment chouette. Allez, je vous laisse regarder. Les riders du jour sont Jérémy de Livenduro, Yann, Jérôme et Yvan avec qui j'avais déjà roulé à Polyonnais. Bon ben voilà. Et ça monte quand? Allez, hein, à la prochaine. Après une bonne montée jusqu'au col des Justices qui se termine par un raidard plein de racines, on arrive enfin sur le sentier de la crête de la Cabatane. La première partie commence dans la forêt, en slalomant entre les arbres moussus typiques du Revermont. Cette première partie est assez vallonnée avec quelques passages techniques et de bonnes relances qu'il faut monter le cargo. Alors ça bon, je pense que vous l'avez entendu. Ah, faut la connaître celle-là. Mais une fois sorti de la forêt, c'est super chouette, même avec la vue bouchée du jour. Là on suit la crête là. Ah, faut que le drone en l'air là. Et puis comme à chaque fois avec le drone, soit les copains râlent pendant que tu le lances, soit ils sont déjà loin devant. Bah là ils sont déjà loin devant. Une branche sauvage qui a accroché mon guidon. C'est hostile le Revermont. Une branche sauvage là qui a accroché ma main. Ah, elle se lâche pas. Allez, ouais, comme ça. La maniaque y est. Pour la suite, on traverse de l'autre côté pour monter en haut du mont Grir. Ne croyez pas la GoPro, c'est bien trop raide et escarpé pour le faire sur le vélo. La forêt de pins là-bas. Ouais. On redescend dans la forêt de pins. D'accord. Voilà, jusqu'à l'épaule. Ok. Le début du single est vraiment cool. D'abord on suit la crête, c'est chouette. Puis on serpente entre les buis. Et ensuite on rentre dans une forêt de pins avec un single qui slalome et serpente entre les sapins. C'est super chouette. Wow. J'adore rouler dans la roue de Yann ou d'Ivan. Ils ont un bon niveau, c'est vraiment classe de les voir. Ah, ok. Un petit mot pour Internet? Avant qu'il a fait comme ça, je ne comptais pas du tout. Moi, j'ai fait voir. Bon, ok, la vanne était facile, mais franchement, j'adore rouler dans votre roue, les gars. Je suis avec des mecs qui connaissent par cœur. Descente à vue dans le gras, la racine et le caillou. Même pas j'espère les suivre. Puis en plus de connaître par cœur, ils sont bons. Ça fait encore plus de différence.
secouer les jambons. Vous le voyez, le trou en plein milieu, là? Ouais, moi aussi, ouais, je le vois bien. Tout le long, je l'ai vu. Hein. Oh, ça glisse. Ça grippe. C'est un concept dans l'enverbe. C'est bien le reverbon, ça glisse et ça grippe. Là tu dis bon, ça doit glisser, ouais, mais non, ça tient. Ça fait mais... plaisir de refaire du vélo un peu là. Ouais. Allez, double. Putain, t'es, t'es gourmand toi. Ouais. Donc ça monte encore un bout de temps ou pas? Non, c'est plat et puis après ça descend. Hein, parce que Jérém il voulait rouler, il voulait monter encore un peu là. Il est pas chaud? Non, c'est bon. Bon, ok. À la décharge de Jérémy, il avait récupéré un vélo de prêt, un vieux Scott Genius de, je sais pas, 1920, je pense. En 26 pouces. Ouais, c'était pas l'idéal, il galérait un peu quand même. Et voilà, c'est parti, on est sur la fameuse Judge Dredd, ou Judge Dead. Les duos du single ne sont pas d'accord sur ce point-là. Ça commence avec du flow en descendant dans les cailloux, c'est vraiment super sympa. Ouah. Mauvaise ligne. J'ai arrêté d'essayer de les suivre déjà. Cette seconde partie, c'est plutôt le buffet des dévers à volonté. Il y a du dévers dans les pins, il y a du dévers avec de la racine, il y a du dévers avec des cailloux, du dévers dans les pierriers, du dévers sur des dalles glissantes. Okay. Bref, c'est... pas large. Cailloux, ça va, c'est des racines. Enfin, je dis ça, mais... ouais, ça va. Ça, c'est chouette, hein. Chier un peu, quand même. Faut piloter là, pas de doute. Merde, je crois que j'ai coupé. Il y a vraiment de tout dans cette Judge Dredd. Franchement, ils se sont pas moqués de moi, c'est vraiment super. Dès que mes os se repoussent, faut vraiment que j'y retourne. Ouh, cette ligne de dingue. Ouais, ça coule, hein. Ouf, ouf, ouf.
c'est un peu gras. Allez, top celle-là. Et voilà, c'est fini. J'ai pas fait d'image à la fin, mais je vous laisse avec la belle mécanique de Jérémy. Oh.